Elle nous observe. Notre pieuvre nous regarde, bien dans les yeux. Quand on regarde une pieuvre, on a l'impression qu'elle nous fixe en retour. Ce n'est pas une illusion, elle nous regarde vraiment. Quand un animal observe aussi attentivement les yeux d'un autre, c'est qu'il est vraiment conscient du monde qui l'entoure. Dans les aquariums du monde entier, les pieuvres ont été mises à l'épreuve. Elles ont réussi à sortir de labyrinthes complexes et ont même appris des symboles en échange de récompenses. Apprendre de nos expériences, anticiper, savoir s'adapter à des situations inconnues. Quand toutes ces facultés sont réunies, on appelle ça l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence sans retour d'expérience. Je crois que c'est pour ça que les humains sont intelligents. Parce qu'on fait des essais et on tire des leçons de nos erreurs. C'est vraiment ça l'intelligence. Et les pieuvres savent aussi tirer des leçons de leurs expériences. En 2009, en Indonésie, des chercheurs ont fait une découverte vraiment surprenante en observant une pieuvre veinée. Grâce à cette découverte, on a compris que la pieuvre avait une intelligence très élaborée, comme seulement quelques espèces d'animaux. Quand on vit sur des fonds sableux, on n'a pas beaucoup d'endroits où se cacher. Mais cette pieuvre a trouvé la solution à ce problème. Elle transporte avec elle la moitié d'une coquille de noix de coco. Mais il lui faudrait autre chose pour la compléter. Une autre moitié de coquille. Un abri parfait. Ce qui est remarquable dans cette découverte, c'est la façon dont la pieuvre désassemble son refuge, l'emporte avec elle, utilise pour se cacher et surprendre ses proies. Cette pieuvre est capable d'anticiper. C'est une vraie souplesse. Elle prévoit d'emporter des objets encombrants et de les assembler correctement pour s'en servir d'outils. Moins d'1% de tous les animaux ont déjà été vus en train de se servir d'outils.